Serge et Monique nous sont ici actuellement à Yves, près de La Roche en Ardennes. Et nous allons assister présentement à une compétition d'autocross. Ça consiste en quoi exactement? Ça consiste à tourner soit en voiture de tourisme, soit en voiture spécialement conçue pour l'autocross, et de terminer dans les tours et dans les points. Les autres catégories sont les protos, qui sont des voitures spécialement conçues pour l'autocross. Il y a soit les plateaux Volkswagen, soit des petits bolides qui peuvent aller jusqu'à 2000, 3000 cc. Et ça se passe donc sur un circuit en terre battue et C'est ça. Un circuit en terre, il ne peut absolument, normalement, pas avoir de macadam ni de terrain très dur. C'est uniquement sur de la terre, bien souvent sur de la boue, puisque nous sommes en Belgique, n'est-ce pas? Je te remercie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Cher Patrick, que penses-tu de cette journée? Ça dépend à quel point de vue. Point de vue course, c'est pas terrible pour moi. Tu bouffes ton dog dégueulasse, mais après c'est moi manger quand même, merde. Après cette dure journée d'effort, tu t'es éreinté, je suppose. Éreinté? Ben non, pas éreinté. T'es pas crevé, là? On a eu une journée fabuleuse, mais c'est excessivement courant chez nous en Belgique. La journée, vous parlez du soleil. Il faut interviewer le monsieur là parce qu'il a envie de parler. Oui, un acteur de jeu, le contrôleur technique. Tu fais un plan sur lui. Pas de pub pour moi, non. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la journée? Ensoleillé, au minimum ensoleillé, bien sûr. Tu as roulé aussi, tu es pilote aussi? Tu es simplement spectateur? Un peu plus quand même. C'est-à-dire? Je ne sais pas s'il sera d'accord, j'en parle. Contrôle technique. Tu es ainsi donc tu es un contrôleur. Oui, si on veut. On contrôle, on fait. Tu vois, un autre qui rigole, donc ça veut tout dire. Hein. J'ai ouï dire que c'était pas toujours équitable. Quelles sont tes impressions là-dessus? Équitable. Faut pas mélanger les contrôles et les décisions. Les contrôles c'est une chose, les décisions c'est une autre. Hein. Nous on contrôle, on décide pas. Hein. D'accord. Ça fait deux choses. Hein. Mais enfin, bon, on fait ça dans le mieux qu'on peut, surtout pour des pilotes comme celui-ci, là, qu'il faut toujours surveiller parce que, bon, l'état général n'est pas toujours... je ne vais rien dire à la caméra parce que, bon, on pourrait comprendre. Enfin, oui, bonne journée, oui. Bonne journée quand même. L'important, c'est qu'on s'amuse finalement. L'important, soleil, on s'amuse, il y a des pilotes qui sont là pour s'amuser aussi, j'espère. Et puis, ils s'amusent aussi. Alors, tout le monde s'amuse, c'est le principal. Je crois que tout est dit là. Vous allez assister successivement à des courses de voitures, des courses de privé car, notamment de privé car. Thank you.
L'occasion de voir aujourd'hui des bangers. Donc il s'agit de la destruction des privés cars. Le meilleur étant le dernier qui reste en piste. Et également les bangers avec tremplin, ça risque d'être assez spectaculaire. Vous verrez les images. À tout à l'heure. Et voilà, on peut les applaudir. Je pense que c'est spectaculaire.